Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous êtes nouveau ici, moi c'est Audrey, puis aujourd'hui on se retrouve pour une bonne vieille vidéo discussion en mode bien relax dans mon salon avec mon beau grand verre d'eau. Un peu comme si on était dans une soirée pyjama entre filles, entre amis, puis qu'on jasait. C'est un peu ça l'ambiance recherchée ici. Fait que n'hésitez pas à aller vous chercher une petite collation, un verre comme moi. Je vous avertis, ça se peut que ce soit un petit peu plus décousu que certaines de mes autres vidéos où je suis plus organisée. C'est vraiment quand même spontané. J'ai eu envie de faire cette vidéo-là suite à une discussion avec vous sur Instagram. J'aime vraiment ça, faire des petits sondages en stories, vous faire participer. Bref, on va parler de tout ce qui est pression sociale, pression de faire comme les autres, le fait parfois se sentir légèrement en retard ou en avance par rapport aux autres, par rapport à des objectifs qu'on se fixe dans la vie. Personnellement, c'est une thématique qui m'habite, qui m'habitait un peu plus quand j'étais plus jeune. C'est sûr, on progresse, on évolue, mais je dis pas que c'est complètement 100% réglé puis que je me tracasse jamais avec ça aujourd'hui. Je pense qu'on est nombreux, nombreuses à avoir ces pensées-là quand même qui reviennent de temps en temps par rapport à différents aspects de notre vie. Certains vont plus se comparer ou vont plus stresser par rapport aux relations amoureuses, d'autres ça va être par rapport aux études, au travail, par rapport à l'habitation, au fait d'acheter une maison, d'être en appartement, des choses comme ça. Je pense que c'est normal, on a tous certains aspects de notre vie qu'on souhaiterait améliorer, on souhaite évoluer, mais c'est pas toujours facile de sentir qu'on va au bon rythme quand on se compare aux autres, quand on voit les autres autour de nous. Ça a donc bien l'air de bien aller puis qu'on l'air d'avoir tout accompli ce qu'on souhaiterait avoir. Grosso modo, ça va être ça le sujet de la vidéo. Pourquoi on se sent en retard parfois? Pourquoi on a tendance à se comparer comme ça avec les autres? C'est une thématique que j'ai abordée à quelques reprises sur ma chaîne dans le passé. Si vous trouvez ça répétitif, rien ne vous empêche de revenir dans les prochaines semaines quand ce sera un sujet qui vous intéresse plus. Mais c'est parce qu'honnêtement, à chaque fois que j'en parle sur les médias sociaux, je vais recevoir quelques messages de la part de jeunes personnes qui vont me dire qu'ils se reconnaissent et que ça fait du bien de se sentir moins seule. Donc moi, ne serait-ce que pour ça, juste pour ça, si ça peut rejoindre une ou deux personnes, je trouve que ça vaut amplement la peine d'en reparler. Il y a probablement des nouvelles qui sont arrivées en chemin. Je pense qu'on va commencer par analyser, en quelque sorte, les sondages Instagram. La première question que j'avais posée, c'était « T'arrives-t-il de te sentir en retard dans la vie par rapport aux autres personnes de ton âge? » Comme vous pouvez voir, c'est quand même une forte majorité, 75% des personnes qui ont répondu oui ou que parfois ça leur arrivait. Si vous êtes curieux, il y a quand même quelques milliers de personnes qui ont répondu, environ 2000. C'est vraiment pas une étude scientifique et c'est pas des millions de personnes, fait qu'à quel point c'est représentatif. Bon, on s'entend, mais je trouve ça quand même intéressant. J'ai l'impression que c'est vraiment intégré en nous, intégré dans les normes de la société que rendu à tel ou tel âge, ben on devrait avoir accompli telle chose. Souvent c'est par rapport aux relations de couple, à la famille, comme si c'était un peu jugé ou un peu mal vu d'être seul, de jamais avoir été en couple quand t'atteins un certain âge, parce que là c'est rendu un phénomène rare, mon Dieu, tu fais pas comme les autres. Même chose pour les enfants. Quand les femmes, je me doute que les hommes sont un petit peu victimes de ça aussi par la bande. Quand t'es rendu à 25, 30 ans, plus tu vieillis, plus la question des bébés va commencer à arriver de la part de ton entourage. Surtout si t'es en couple depuis plusieurs années, surtout si t'as un travail stable, que t'as terminé tes études et tout. Si ta famille, tes amis, ton entourage ont l'impression que t'as vraiment toutes les conditions optimales pour devenir maman, ça peut susciter des petits questionnements parce que mon Dieu, c'est ça qui est attendu quand t'es rendu à cet âge-là dans la vie. Alors que pas forcément, on s'entend, par rapport à cette espèce de pression de se sentir en retard par rapport aux autres de notre âge, je suis longtemps sentie comme ça quand j'avais 18 ou 20 ans environ parce que j'avais aucune expérience amoureuse, j'avais jamais été en couple. J'ai rencontré mon copain, mon premier copain quand j'avais 21 ans puis que j'étais rendue à l'université. Aujourd'hui, je vis très bien avec ça puis je regrette aucunement mon parcours, mais je me souviens tout à fait comment je me sentais quand j'avais 18, 19, 20 ans, que j'avançais en âge, que j'étais rendue au cégep, à l'université puis que j'avais l'impression que j'étais un phénomène de foire parce que tout le monde autour de moi, eux, il y en avait des expériences puis ils étaient en couple ou ils l'avaient déjà été du moins. Je l'ai vraiment vécu, là, cette pression-là, ce sentiment d'être en retard, comme si on était les seuls, tu sais. Alors que scoop, pas du tout. En fait, j'étais vraiment moins la seule que ce que je m'imaginais dans ce temps-là. Je pense que surtout en ce moment, en plus avec les médias sociaux, moi c'était quand même un peu moins présent quand j'étais jeune que ce l'est aujourd'hui, mais on est comme exposé aux relations de tout le monde, hein, aux photos de couple, aux témoignages, si ça. On voit bien des affaires concernant la vie personnelle des gens de notre entourage ou des célébrités, des influenceurs, peu importe. J'ai l'impression que ça peut amplifier ce phénomène-là. On se sent encore plus seul, puis encore plus en retard
parce qu'on a l'impression que tout le monde a fait ci ou a fait ça. On s'entend, les médias sociaux, c'est beaucoup du paraître, c'est pas tout ce qu'on voit là-dessus qui est vrai. Je pense que c'est juste que les autres, comme nous, qui ont peu d'expérience ou qui ont jamais été en couple, ben ils vont peut-être pas le crier sur tous les toits, puis ils vont peut-être pas faire du contenu en lien avec ça, fait que tu le sais pas, puis t'as l'impression que tu vois juste le grand amour puis les couples, mais ça veut pas dire qu'il y a que ça, puis ça veut pas dire que t'es la seule au monde qui est en retard. Pas du tout. L'important, on le dira jamais assez, c'est vraiment, vraiment de s'écouter, de respecter nos limites, de respecter où on est rendu, parce que c'est normal qu'on fonctionne tous à des vitesses différentes. Imaginez comment ce serait absurde, insensé, si on était des millions de personnes. À 16 ans, c'est ci. À 18 ans, c'est ça. À 20 ans, c'est ça. Que tout le monde, on soit prêt à faire les mêmes étapes mentalement, physiquement, financièrement. Qu'on soit tous prêts au même âge. Exactement. Ça n'a aucun sens. On a tous des réalités différentes. On a tous un vécu qui fait qu'on peut être plus réticent, qu'on est anxieux, qu'on est stressé, qu'on n'est pas prêt, qu'on préfère attendre, qu'on serait prêt, mais qu'on rencontre juste pas les bonnes personnes, tout simplement, puis qu'on se veut pas forcer les choses avec n'importe qui. Fait quoi? On évolue tous sur notre propre chemin et à notre propre vitesse. C'est juste normal dans ma tête qu'on n'arrive pas tous aux mêmes étapes, au même âge. Ça fait pas de toi quelqu'un qui est en retard ou en avance. Ça fonctionne pas comme ça dans la vie. Même si on a tendance à penser ça un petit peu, là, faut comme s'enlever cette idée-là de la tête. Je trouve intéressant aussi, il y a quelques personnes qui m'ont écrit qu'au contraire, parfois elles se sentaient en avance par rapport à leur entourage, à leurs amis. Je donne l'exemple de quelqu'un qui aurait pas poursuivi des études supérieures, qui aurait très tôt trouvé le métier qu'il ou elle veut exercer, puis à 18-19 ans, déjà sur le marché du travail, t'as un bon emploi, ça fait longtemps que t'es en couple, qui commence à fonder une famille assez jeune ou qui achète une maison assez jeune parce qu'ils peuvent se le permettre. Versus exemple, les amis qui vont à l'université, qui continuent plus longtemps leurs études, puis qui sont vraiment pas rendus là dans leur tête, qui ont pas les moyens financiers d'acheter une maison, puis qui sont pas prêts à avoir des enfants, mais peut-être que la seule amie de la gang qui, elle, est comme déjà maman à 21-22 ans, plus établie dans la vie, peut-être qu'elle, elle se sent en avance, au contraire, par rapport à ses amis. Alors que dans le fond, non, c'est juste que ces amis-là ont fait différents choix qui les ont menés à la vie qu'ils ont en ce moment, mais il n'y a pas d'avance, puis il n'y a pas de retard. Je vais le répéter encore, mais je pense que l'important, c'est vraiment de s'écouter, puis jamais, au grand jamais, prendre des décisions importantes dans une vie comme avoir des enfants, acheter une maison, poursuivre ses études, des choses comme ça, parce qu'il faut faire comme les autres, parce que ta meilleure amie est rendue là, parce que à l'âge que t'as, quand t'étais petite, tu pensais que tu serais rendue là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas que c'est des bonnes raisons, ça. Ça se peut évoluer, ça se peut changer, ça se peut que quand t'étais jeune, tu t'imaginais qu'à 25 ans, fallait que tu sois rendue là, qu'à 30 ans, t'aurais déjà tes enfants, que t'aurais une maison, des choses comme ça. La vie en a décidé autrement. Finalement, t'as voulu retourner aux études, finalement, ça fonctionnait pas avec ton amoureux, ton amoureuse, tu te retrouves célibataire à l'âge où tu pensais avoir tes enfants. Finalement, il y a plein de choses qui peuvent changer. Ou finalement, la vision que t'avais quand t'étais enfant ou adolescente, ben, est un peu erronée parce que là, t'as 25 ans, t'as 30 ans, pis ça te tente pas finalement ce qui te tentait quand t'en avais 15. Parce qu'on vieillit puis on évolue puis c'est juste normal. La prochaine question que j'avais posée dans le petit sondage, c'était qu'est-ce que tu trouves le plus difficile ou qu'est-ce qui te complexe le plus, disons, entre comparer ta vie à celle des influenceurs, des célébrités que tu vois dans les médias ou comparer ta vie à celle de tes amis ou des connaissances que tu as dans la vraie vie. Encore une fois, c'est intéressant de constater qu'il y a quand même une forte majorité d'un côté, donc 75% des gens qui ont répondu qui disent avoir plus de complexes ou trouver ça plus difficile de se comparer avec nos amis ou des gens de notre entourage. Soyons honnête, qui n'a jamais regardé une photo, une vidéo, une publication d'un influenceur reconnu en se comparant un petit peu puis en disant « Wow, c'est donc bien beau sa maison, wow, sa vie a donc bien l'air amusante » ou peu importe. Je pense que ça peut tous nous arriver une fois de temps en temps, mais de là à ce que ça occupe une grande place dans notre esprit, je pense qu'on est capable de garder une certaine distance puis de se dire « Dans le fond, je la connais pas dans la vraie vie, cette personne-là, regarde, elle a sûrement des gros contrats qui lui rapportent plein d'argent, c'est comme pas ma situation à moi avec mon emploi. » On peut comme créer une certaine distance, donc un peu moins se comparer au niveau personnel. Par contre, les gens qu'on connaît dans la vraie vie, même s'ils sont super bien intentionnés, là, c'est rare que nos meilleurs amis, nos amis les plus proches, nous mettent de la pression pour qu'on fasse ci ou qu'on fasse ça. Je pense que c'est plus à l'intérieur de nous, c'est pas nécessairement de la faute des amis. Les gens qu'on connaît dans la vraie vie, que ce soit nos amis les plus proches, mais que ce soit aussi des simples connaissances avec qui on est allé au secondaire, qu'on a déjà croisé dans notre vie, des collègues, des anciennes collègues de classe et tout ça. La joie des médias sociaux, c'est que même si on parle plus vraiment dans la vraie vie à
ces personnes-là. Si on est encore amis virtuellement sur les médias sociaux, ben on va voir un petit peu ce qu'elles veulent bien partager. Les annonces de fiançailles, les annonces d'achat de maison, les annonces de grossesse, de gender reveal, de ci, de ça. Si vous êtes dans mes âges, à peu près dans la vingtaine ou dans la trentaine, clairement que votre Facebook est inondé de ce genre de publications. Contrairement aux influenceurs ou aux célébrités, on sent le lien qui est un petit peu plus près de nous. On sait la personne sur Facebook qui a publié son annonce de grossesse ou d'achat de maison ou peu importe. On sait que cette personne-là a le même âge que nous parce qu'on est allé à l'école avec. On sait le métier qu'elle exerce, peut-être le même que nous parce qu'on a fait nos études ensemble, des choses comme ça. Il y a vraiment comme un lien qui est un petit peu plus près de notre réalité, ce qui fait que c'est plus facile de se mettre une pression, de se comparer parce qu'on se dit « Mon Dieu, cette personne-là elle a le même âge que moi, les mêmes études. Techniquement, on devrait être rendu à peu près au même endroit dans la vie, mais elle, elle a ça! » Puis moi, je suis pas rendue là. Je parle pas pour moi personnellement. En passant, là, j'essaye de faire comme un exemple de pourquoi j'ai l'impression que la majorité des gens ont voté pour. On trouve ça plus difficile de se comparer aux gens de notre entourage versus des célébrités. Je pense que c'est un petit peu ça le phénomène qui se passe dans notre tête. Je pense que nos amis les plus proches aussi, on peut être super contents, contentes pour eux quand ils vivent quelque chose de beau dans leur vie, quand ils vivent une grande étape. Par exemple, un nouveau couple ou une grossesse ou une graduation, des choses comme ça. Autant on peut être super content pour nos amis partager leur bonheur, mais autant ça peut nous faire un petit quelque chose à l'intérieur. Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi on peut pas vivre ça ensemble au même moment? Il me semble que j'aurais aimé ça partager ce moment avec mes amis. C'est peut-être pas forcément une jalousie, mais peut-être plus, c'est ça, une petite tristesse de pas pouvoir le vivre en même temps, de se sentir en retard parce que nous on n'est pas rendu à cette étape-là en même temps que nos amis. La prochaine question, c'était, sois honnête, est-ce que tu te fixes un âge dans ta tête où tu souhaiterais atteindre certains objectifs de vie? Genre que tu serais un peu déçu si finalement ça arrive pas ou si finalement ça arrive plus tard. On voit encore une fois un pourcentage qui est très semblable aux autres questions. 74% des gens qui ont répondu que oui, ça leur arrivait. Je pense pas que c'est mal de se mettre des objectifs nécessairement, mais faut faire attention que ça devienne pas malsain et que ça nous rende pas malheureux si finalement c'est pas ça qui arrive. Il y a tellement d'éléments qu'on peut pas contrôler dans la vie. Il y a pas de manuel, c'est pas écrit nulle part qu'à 25 ans, faut que t'aies gradué obligatoirement puis que t'aies trouvé ton emploi d'adulte. Qu'à 30 ans, faut que t'aies ta maison, tes enfants. Non, ça se peut que t'en aies jamais de tout ça. C'est pas tout le monde qui a ces envies-là, premièrement. Ou ça se peut que ça t'arrive vraiment plus tard, à un moment où tu t'en attendais pas. Puis qu'est-ce que ça fait? L'important, c'est d'être heureux, au fond. C'est pas comme s'il y avait une expiration, une date limite pour atteindre ces objectifs-là. Bon, là, on dirait que j'entends déjà des gens me dire « Mon utérus a une certaine date d'expiration. Moi, le stress, c'est d'avoir mes enfants avant tel âge, parce que sinon, c'est risqué, sinon, c'est difficile, tralala, le côté biologique, là. » Ouais, je comprends, je peux comprendre, mais en même temps, pas à tout prix. Si tu te sens pas prêt, si t'es pas avec la bonne personne, si t'es pas en couple avec une personne que tu vois devenir maman ou devenir papa avec toi. Une autre question que je trouve intéressante, sens-tu que tu carbures au prochain objectif, que ta vie serait un peu fade si t'avais pas constamment hâte à la prochaine grande étape? 62% des gens qui ont répondu oui, c'est ça, c'est comme ça que je me sens. Un peu moins que pour les autres questions, mais quand même un fort pourcentage. On dirait que je sais pas comment me sentir par rapport à ça parce que je comprends, je pense que c'est humain d'avoir hâte à quelque chose. C'est vrai que la vie peut être un peu monotone, un peu fade si on se fixe pas d'objectifs. T'as hâte à rien. T'as rien de prévu de spécial, tu fais ta routine, tu vas travailler, puis t'as comme aucun objectif d'avancement. Je comprends que ça peut sembler un peu monotone, puis qu'on a tendance à se trouver des objectifs pour se stimuler, pour se motiver, mais c'est peut-être pas toujours fait de façon saine non plus. Je m'explique, si t'es malheureux avec toi-même, t'es malheureux dans ta situation, puis t'as l'impression que X objectif, ça va te sauver, puis quand tu vas avoir enfin atteint ça, là tu vas avoir trouvé le bonheur. Ça va pas super bien, t'es malheureux, mais t'as juste vraiment hâte d'avoir un bébé, là, ça va te remonter le moral, ou t'as juste vraiment hâte d'être en couple. Mais mettons, pendant ce temps-là, tu travailles pas forcément sur les autres aspects de ta vie, sur ta personne. Ça peut être dangereux de mettre trop d'espoir dans un certain événement, dans un certain objectif de vie, parce que si au fond de toi ça va pas, si au fond de toi t'es malheureux, c'est pas ça qui va tout changer. Je pense qu'il faut juste faire attention à ça. Quand ça va moyen, quand on a vraiment hâte d'être rendu à la prochaine étape de notre vie, faut pousser la réflexion, faut faire du travail sur nous. Qu'est-ce qui fait qu'on a si hâte d'être rendu là? Est-ce que ça va vraiment changer les choses ou au fond, ça va continuer de mal aller? Ça va juste être comme un petit pansement qu'on met par-dessus pour se faire à croire que ça va mieux? Fait que c'est ça, c'est comme ça que je me sens face à cette question-là. D'un côté, ça peut être vraiment super stimulant, motivant d'avoir des objectifs. Je pense que c'est juste humain. Mais faut pas que notre bonheur ne repose que sur ça, que sur la prochaine affaire
l'enfant qui s'en vient, parce que ça peut être un peu triste, puis on s'entend, ça nous prend tous des petits bonheurs au quotidien, c'est pas nécessairement les grandes choses qui vont nous rendre heureux, heureuses. Petit retour sur mon parcours, mon ressenti personnel par rapport à cette thématique-là. Comme je disais, longtemps je me suis sentie en retard par rapport aux relations amoureuses, parce que j'ai été en couple pour la première fois à un âge un peu plus tard que la moyenne, je dirais. J'ai totalement passé par-dessus ça, puis je suis super bien avec mes choix aujourd'hui. Je pense que j'étais juste pas 100% prête, assez mature émotionnellement pour vivre une relation quand j'avais 16, 17, 18 ans. J'ai vécu d'autres types d'expériences dans d'autres sphères de ma vie, avec mes amis, avec des voyages, avec mon parcours scolaire. C'est vraiment pas un échec d'être un petit peu plus sur le tard par rapport aux relations amoureuses. Je pense qu'au contraire, dans mon cas, si je m'étais mis encore plus de pression, puis que j'avais voulu faire comme mes amis, faire comme les autres, puis me mettre en couple plus tôt, par exemple, même si j'étais pas 100% prête, je suis pas sûre que ça aurait été super positif. Je pense qu'au contraire, c'est ça que j'aurais regretté, de pas m'être totalement écoutée, puis d'avoir voulu faire comme les autres. Fait que sachez que si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que je dis, si vous avez en ce moment 16, 18, 20 ans, peu importe, vous vous sentez comme en retard par rapport à vos amis, tout va bien aller, c'est pas un échec, vous êtes pas en retard, c'est juste que chacun a sa propre vitesse dans la vie. Mais bref, maintenant que j'ai vieilli un peu, que j'ai 27, je me dirige vers les 28 ans, c'est sûr que là, je suis rendue à un âge où autour de moi, ça commence beaucoup à parler de bébé et de fonder une famille. Je suis comme dans l'âge où ce serait considéré standard de fonder une famille, disons. Mais l'affaire, c'est que l'envie vient pas forcément. Je ne ressens pas ce fameux appel de la maternité dont plusieurs femmes parlent, comme si c'était viscéral puis que ton horloge biologique sonne. Maintenant, je suis prête, je veux des enfants. Il y a rien de mal à ça, c'est même super beau à voir aller, mais je rappelle que c'est pas la seule façon pour une femme de s'accomplir dans la vie. J'aime les enfants, je trouve ça super mignon les bébés, je trouve ça super mignon de suivre certaines créatrices de contenu qui sont récemment maman. C'est pas que je suis fermée à l'idée, c'est juste que quand je vois moi ces photos-là, ces vidéos-là, de tout ce qui semble difficile-là, du petit qui fait pas ses nuits, d'avoir les cernes jusque-là, de s'être levée 8 fois dans la nuit, de devoir ramasser le spaghetti qu'il a lancé partout sur le plancher pour une quelconque raison, vous voyez là, je pense que je pourrais donner 10 000 exemples. C'est mignon, c'est drôle, à distance, à travers un écran, de suivre ces personnes-là qui sont maman ou papa, mais sans plus. Je suis comme contente que ça soit pas moi qui vive ça, je suis contente de le voir juste à distance. Puis c'est tellement une décision importante qui va changer complètement ta vie. Autant le positif dans le sens que t'auras jamais connu une dose d'amour aussi intense, que c'est inexplicable, mais autant le plus difficile, autant le moins positif. Ouf, j'ai de la broue dans le toupette, je dors plus. Ça change une vie, pour le meilleur et pour le pire, on peut pas dire le contraire. Jamais on devrait prendre ce genre de décision-là à la légère, parce qu'on est rendu à l'âge que ça devrait nous tenter, parce que notre meilleure amie est enceinte, parce que nos parents y ont hâte d'être grands-parents puis qu'ils nous le demandent. Tout ça, ce ne sont pas des raisons suffisantes si toi, à l'intérieur de toi et ton partenaire, ça vous tente pas tant que ça ou vous vous sentez pas prêt tant que ça. Parce que c'est pas les autres, hein, c'est pas ta meilleure amie, c'est pas tes parents, c'est pas les influenceurs sur les médias sociaux, ta voisine, ta cousine qui vont être là la nuit à se lever 10 fois, à changer les couches, à faire tout ça, c'est pas les autres, hein, c'est toi. Si tu prends une décision aussi life-changing juste parce que tu veux pas être en retard sur les autres autour de toi, parce que c'est ça qui est attendu ou peu importe, mais que c'est pas ton choix à 100% au fond de toi, il faut se rappeler que ce qui est bon pour ta meilleure amie, ce qui est bon pour ta voisine, ce qui est bon pour ton influenceuse préférée, ça veut pas dire que c'est bon pour toi en même temps, au même âge. Puis vous avez vu les résultats des sondages au début, le 3/4 des gens disent se comparer ou sentir qu'ils sont en retard dans certains aspects de leur vie. Ben dis-toi que les gens avec qui tu te compares, que ce soit dans la vraie vie, dans ton entourage ou sur les médias sociaux, il y a de fortes chances que ces gens-là se comparent aussi à d'autres. Peut-être même à toi, puis tu le sais pas. On est quand même une méchante bonne gang à se dire « J'ai hâte d'atteindre ça, je me sens en retard dans tel aspect de ma vie. » Peut-être que la personne qui a l'air d'avoir tout « figured out », qui a l'air d'avoir la vie parfaite dont toi tu rêves, tu le sais pas, t'es pas dans sa tête. Peut-être que cette personne-là se compare à d'autres. Peut-être que cette personne-là se couche le soir en pensant à un plan B parce que sa carrière, finalement, c'est pas ce à quoi elle s'attendait, puis c'est super difficile, puis elle est pas sûre de vouloir faire ça toute sa vie, finalement. Peut-être que les gens qui ont acheté une magnifique maison flambant neuve que tu rêverais d'avoir. Dans le fond, c'est pas aussi rose qu'on s'imagine, puis ils l'ont pris au-dessus de leurs moyens, sont un peu endettés, puis vont avoir de la difficulté à arriver à joindre les deux bouts pendant plusieurs années, mais au moins ils ont une belle maison. Tu sais, on le sait pas.
Je vais pas assumer des choses négatives à propos d'inconnus. Là, je dis vraiment des exemples au hasard comme ça, sans penser à personne en particulier. Mais vous me suivez, il y a tellement de choses qu'on sait pas. On n'est pas à l'intérieur de la tête des autres. On se compare à quoi, dans le fond? À quelqu'un qui se compare aussi à quelqu'un d'autre? À quelqu'un qui a aussi d'autres complexes que tu te doutes pas peut-être. J'ai tellement parlé, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Finalement, j'avais oublié que j'avais mon verre. En passant, si vous le trouvez beau, c'est les filles de fleurs et cannelle qui me l'ont gentiment offert. C'est pas une pub là, je suis pas payée pour vous parler de mon verre, mais je me disais, si jamais vous vous posez la question, allez les voir sur Instagram, ils ont plein d'autres modèles. Tu peux comme personnaliser le motif ou faire écrire des choses dessus là. Ben chouette, merci les filles. Sur cette, ma foi, très longue discussion qui mène un peu nulle part, qui aurait pu être poursuivie encore très longtemps probablement, je vais m'arrêter là. N'hésitez vraiment pas à participer à la discussion dans les commentaires. Histoire que j'ai pas parlé à moi-même toute seule pendant une demi-heure. C'est quand même vraiment plus intéressant quand je peux interagir avec vous. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'était pas déjà fait, à partager la discussion avec vos amis, avec des gens que ça pourrait intéresser. Et sur ce, c'est le temps de vous dire, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!